Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, on va réaliser un étui, donc un étui pour téléphone portable. Et pour cela, on va le réaliser avec au point ananas avec un crochet. Alors j'ai choisi le vert, ben, si vous pouvez bien le voir, le vert et un peu d'orange. Alors pour commencer, je commence avec le vert. Je vais monter. Donc, je choisis un crochet numéro 2, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, au total, je monte 40 mailles. Ici, la chaînette, 40, et je vais bien. Je viens joindre les deux bouts. Je veux bien arranger que ça soit bien du côté. Donc, 40 mailles. Et je viens joindre première ici. Ceci. Alors je fais, donc là j'ai joint, je fais une maille chaînette, je reprends, coller surtout, donc je vais travailler en rond. Ceci. Donc, je vais faire le contour jusqu'ici au début. Trouve ici. Alors là, je vais terminer. Et je viens ici, donc la première, je joins ici. Donc je prends la couleur orange. D'accord. Je viens. Je fais donc la même passe, donc je fais 2, excusez-moi, 6, non, ici on va commencer, donc j'ai fait une maille serrée, je fais, donc je vais enrouler le fil pendant 2, 3, 4, 5, 6, attendez, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et 12. Donc j'ai enroulé 12 fois le fil sur mon crochet. Je vais compter 1, 2, 3. Je viens piquer dans la troisième. Ici. Et. Alors, pour que ça soit facile à faire ressortir, on va recommencer. Vous allez voir. Donc, pour que ça soit facile, il ne faut pas trop serrer le fil sur le crochet. Souplement, on va enrouler. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11. Je compte 1, 2, je viens dans la troisième maille. Bien. Et je vais faire ressortir doucement le fil. Ce que ça m'a donné. Et je refais la même chose souplement. 1, 2 fois, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je viens toujours dans le même espace. Je refais la même chose. Vas-y. Simplement.
Et donc ça me fait 2. Je refais la même chose. Donc au total, je vais faire 5. Alors, je termine la 11e. Toujours dans la même espace. Vous voyez, le bout de mon crochet, je le garde devant. Et je serre le fil du bas. Ceci, et je vais simplement tirer. Comme ceci. Et j'ai là. Simplement faire attention que ça puisse pas coller à la fin. Fais attention que ça puisse pas coller à la fin. Enfin, je fais ceci. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 petits bourgeons. Je fais donc la même chose. Et donc, après avoir formé mes 5 bourgeons, je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième, je fais maille serrée. Je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je compte de nouveau 1, 2, 3. Dans la troisième, je refais mon point et je vais refaire de nouveau 5 bourgeons. Comme je fais au début. Donc, on va tirer simplement. On refait toujours 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça fait 1, 2, je refais la même chose, 1, 2, 3, troisième je fais maille coulée et je refais la même chose jusqu'à ce que je vais arriver ici, au début ici. Alors, quand j'arrive à la fin, donc au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand j'arrive à la fin, je viens joindre au travail, comme ceci. Je prends donc le vert. Et je joins. Simplement, je fais 1, 2, 3. Même S, non, 3, 4, je fais une bride, d'accord, je fais une maille chaînette, coulée, une maille chaînette, donc dans, ouais, une maille chaînette, une maille chaînette, une maille chaînette ici, je fais une maille chaînette et dans l'espace ici je vais faire une bride normale, une maille chaînette, fais une bride et je refais donc la même chose, vas-y ici, si bon si jusqu'à la fin, je répétais la même chose. Alors, j'arrive à la fin. Je termine donc. Faire. Ici, je vais joindre simplement avec l'orange. Donc, je récupère l'orange. Je fais ceci. Donc, je prends au milieu. Et ici, je vais refaire donc mon point d'ananas. 2, 3, 4, 5. Excusez-moi.
excusez-moi, j'ai un peu trop serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je repique là. Et je refais mon point d'ananas. Donc je fais 5 bourgeons. Alors j'ai terminé mes 5 bourgeons. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je viens ici, je compte 1, 2. Comme toujours, je viens piquer dans la troisième. Je fais la même chose. Et là, je refais donc mes 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je viens piquer donc au milieu. Rince. Comme j'ai dit, il ne faut pas trop serrer, sinon ça me pose problème. On va faire si je bride normal, écoulez du bride. À la fin. Et on joint ici. Si on fait un colis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on vient. Ici on fait et on fait la même chose ici.